La transition énergétique, c'est aussi une relance de l'économie. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire d'un statu quo. Le climat nous l'interdit. On doit agir pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais on ne peut pas non plus aussi rester les bras croisés d'un point de vue économique. Et la transition énergétique est une solution. On a besoin aujourd'hui de développer des nouveaux métiers, notamment dans le bâtiment, pour isoler les bâtiments, dans le développement des énergies renouvelables, pour faire sur le territoire, en fonction des possibilités de chaque territoire, une production énergétique locale. On a besoin, bien entendu, de démanteler nos anciennes installations nucléaires et donc de poursuivre la formation en ce domaine. Et on a besoin de développer des transports propres qui permettent de trouver des alternatives à la voiture individuelle et d'améliorer notre bilan carbone de déplacement. La transition énergétique, c'est donc la transition de l'emploi. On a besoin de former les nouveaux métiers pour demain. On a besoin de modifier nos façons de faire et de modifier notre façon de produire. Aujourd'hui, on a une facture énergétique de 70 milliards d'euros qui correspond exactement à notre déficit de la balance commerciale. La transition énergétique, c'est donc un moyen d'accroître la compétitivité de nos entreprises. Les citoyens nous le demandent, ils ont compris l'enjeu. C'est à nous maintenant, politiques, de prendre les décisions et d'assumer cette transition énergétique dès aujourd'hui.